En tout cas, moi, je trouve ça cool parce que ça fait, entre Boîte Noire et ce film-là, ça fait deux thrillers à la française d'action, bien produits, très bien interprétés, mais il y a une patte française. Il y a des putains. Il y a des putains à la place des phoques. Damien, c'est quand même des événements super lourds, des attentats. On peut pas trop, tu vois, on peut pas appeler ça un film léger. Est-ce que il a réussi à te faire ressentir quelque chose? Ce que je dirais, que c'est un film d'action avant tout. Donc c'est mené avec un rythme assez effréné. Moi, en tout cas, j'ai ressenti vraiment l'adrénaline des quelques heures qui suivent en fait les attentats et puis le travail des services de police qui, pendant de nombreuses heures sans sommeil, essaient de trouver des solutions. Et du coup, il y a assez peu de part, je trouve, à l'émotion. Oui, c'est ce que j'allais demander. Il n'y a pas beaucoup de... Les victimes ne sont pas énormément représentées à l'écran. C'est pas un film sur les victimes. Non. C'est un film sur la police. Voilà, exactement. Vraiment. C'est un film sur le travail des services de police, comment ils ont réussi... L'enquête, en fait. Pas à pas. L'enquête, complètement. Tous les éléments ont permis, voilà, les écoutes téléphoniques, la surveillance. C'est clairement un thriller, en fait. C'est un thriller, voilà, qui est centré sur l'enquête.